C'est dans le Japon féodal, au XVIIIe siècle, à l'ère Edo, que se déroule notre histoire. Les samouraïs existaient encore et leur honneur, ainsi que leur courage, étaient salués jusque dans les régions les plus reculées du pays du soleil levant. Mais jamais on n'en connut de plus valeureux que ceux du clan des Nids. Voici l'histoire des 47 qui ont bravé les bois et se sont sacrifiés au nom de l'honneur. Moi, Terasaka Kichimon, samouraï d'Enya, ayant reçu du shogun l'ordre de vivre après que tous les autres mangeurs d'Enya se furent donné la mort, j'ai maintenant atteint au dernier déclin de la vieillesse. Tous les événements admirables qui étaient en ma mémoire allaient périr avec moi. Ce sont mes paroles mêmes que mon pinceau a fixées pour jamais. Les yeux qui ont vu et les oreilles qui ont entendu ne seront plus. Mon œuvre demeurera pour honorer notre daimyo défunt et les braves qui l'ont vengé. Les cœurs nobles, célébrant nos actions de génération en génération, réchaufferont nos esprits glacés. La loyauté, l'énergie, la droiture fleuriront dans toutes les âmes du Japon. Il me semble que tout a réellement pris sens à mes yeux le jour où Oishi Kuranosuke, le plus proche conseiller de notre défunt seigneur, nous a réunis dans la demeure de ce monde. La loi veut que notre clan étant aboli, nous soyons désormais des Ronin, dégagés de tous nos serments vers la famille d'Enya. Nous voici donc libres de vivre comme il nous plaira, et même de nous choisir à notre seigneur. Un samouraï n'a qu'un seul maître. Nous avons juré de suivre notre seigneur dans la vie comme dans la mort. Notre devoir est de mourir avec lui. Notre premier devoir est de venger notre seigneur. Notre prince n'a-t-il laissé aucune instruction ? Notre prince vous ordonne de nous guider, que décidez-vous ? Venger notre seigneur et exterminer Kira et toute sa famille. Voilà notre devoir. Ce que je propose, le voici. Nous allons jurer de ne reculer devant aucun péril afin d'exterminer Kira. Si dans un an nous n'avons pas réussi, c'est que l'entreprise est impossible. Nous nous réunirons alors devant les portes de la forteresse. Ceux du moins qui auront survécu au combat. Et nous nous donnerons la mort, montrant à tous notre loyauté. Je vais préparer un serment. Revenez tous ici demain, à l'heure du tigre, pour le signer. Pour l'heure, nous allons nous répartir les derniers biens de notre clan. Il ne faudrait pas qu'ils tombent entre les mains de notre ennemi. Ceux qui désapprouvent ce plan peuvent parler. Puisque vous êtes tous résolus, hâtons-nous d'agir. Le conseil est levé. Sur un ordre des valets en fer, courbés sous des caisses de bois épais, qu'ils vinrent déposer devant nous. Oishi, aidé de son fils qui avait un an à peine de plus que moi, ouvrit les caisses. Elles contenaient des lingots d'argent. Chacun des assistants reçut 20 barres de métal et mentionna sur la liste des guerriers, devant son nom, la somme qui lui était remise. 200 ryo, à cette époque, constituait un capital important qui permettrait à nos familles de vivre dans l'aisance pendant de nombreuses années. Et moi, regardant en silence les guerriers quittant un à un la salle, je songeais avec soupçon et fureur. Pourquoi distribuer de l'argent au lieu de distribuer des armes? Pourquoi ne pas signer dès aujourd'hui le serment au lieu d'attendre demain? Le temps presse. Et les hommes qui ne sont plus jeunes font toutes choses avec une étrange lenteur. Mon impétuosité présomptueuse, insuffisamment domptée, ne distinguait pas le stratagème subtil que voilait cette action si simple en apparence. L'océan est plus difficile à sonder que les mâts blessés dans la forêt par les dernières. Le lendemain, quand les guetteurs dans la tour de veille sonnèrent l'heure du tir, frappant à coups répétés sur le tambour géant, je pénétrais dans la salle du conseil. Elle était plus qu'à demi. Sur les nattes blanches, 63 samouraïs seulement étaient assis devant Oishi impassible. Je me rappelais soudain le proverbe. Les armes ne sont pas nécessaires à tous. L'or n'est jamais inutile. C'est
C'est avec la pierre de touche que les orfèvres essaient les métaux précieux. C'est avec l'or que l'on essaie les cœurs. Cependant, des grondements de fureur éclatèrent parmi les fidèles. Les lâches et les traîtres! Ils désertent alors du danger, ils abandonnent leur seigneur et leur frère! Les épreuves que nous allons subir sont telles qu'une âme ordinaire ne saurait les endurer sans défaillir. En reconnaissant eux-mêmes leur faiblesse, ils m'ont évité le plus difficile des choix. C'est bien. Pour trier le grain, il suffit de le laisser tomber au souffle de la brise. Le bon grain s'entasse d'un côté, la balle et l'effet de l'autre. Il en est de même du cœur des hommes au souffle de l'adversité. Les braves demeurent inébranlables. Les lâches disparaissent. Ne parlons plus d'eux. J'ai préparé notre serment. Il est écrit de mon sang. Nos compagnons se levèrent d'un bond. Et chacun d'eux, tour à tour, se faisant une légère coupure au pouce à l'aide de son poignard acéré, signa de son sang l'engagement de se donner la mort si, dans un an, il n'avait pas exterminé Kira et sa famille. Oishi alors ouvra le tragique document et le glissa dans sa manche. Puis il s'inclina gravement. Il importe que notre engagement demeure secret, afin que notre ennemi averti ne redouble pas de vigilance. Recueillez tous les renseignements nécessaires sur les habitudes de Kira, la disposition de sa demeure, les sentiments de ses serviteurs et de ses gardes, et tenez-moi constamment informé. Une attaque mal préparée, ne l'oubliez pas, laisserait la vie à notre ennemi et laisserait la justice à venger. La cause de la justice demeurerait un danger. Ceci est le poignard avec lequel notre Seigneur s'est donné la mort et qui s'est échappé de sa main crispée par la nuit. C'est avec lui que nous donnerons le coup de la mort à notre ennemi. Vous, notre chef, daignez le conserver jusqu'à l'heure choisie. La femme de notre défunt Seigneur s'est déjà retirée dans un monastère. Notre seul devoir est désormais notre vengeance. Qu'avez-vous décidé? Je précède de quelques heures seulement les envoyés du shogun chargés de saisir les biens des miens. Résisterons-nous? Les troupes du shogun sont innombrables. Nous devons nous garder pour tuer Kira. Livrer notre forteresse sans combat. Un brave ne rend pas une position intenable. Il l'évacue avant l'arrivée de l'ennemi. Hâtons-nous donc de partir en emportant les derniers trésors du clan. Nous nous hâtâmes en effet. 2 heures à peine s'étaient écoulées, quand la caravane de nos écuyers tous chargés et de nos porteurs pliant sous le fait, sortit de la forteresse et franchit le pont-levis. Le dernier de tous, Oishi, en kimono de toile les manches relevées, pressait ses porteurs balançant 2 par 2 au milieu de leurs phalanges, de grands coffres ouverts où des vêtements étaient empilés en désordre. Il s'attachait surtout à un coffret de bois épais dont l'aspect et le poids décelaient le contenu. Visiblement, un petit nombre de lingots d'argent. Et nous nous disions tous que son trésor était encore moins grand que celui de chacun d'entre nous. Nul ne savait ce que nous apprîmes longtemps plus tard. Dans chacun des coffres mal fermés, se trouvaient cachés de nombreux lingots d'or, dont la valeur atteignait une somme considérable. Une insouciance habile protège souvent mieux qu'une garde attentive. Courbés sous nos charges, nous montâmes le sentier qui va de la mer vers l'intérieur, par-delà les collines. Les premiers arrivés au sommet s'arrêtèrent, se retournant pour jeter un dernier regard sur la plaine des nids. Le cri qu'ils poussèrent nous fit tourner la tête. D'épais tourbillons noirs percés de flammes rouges voilaient la forteresse. Oishi ne laissait que des cendres à nos ennemis. Une troupe de cavaliers était arrêtée sur l'esplanade, devant l'entrée du château, derrière 2 guerriers aux armures brillantes, d'or et d'argent. Les envoyés du shogun n'avaient plus rien à saisir. Le clan des nids n'était. Nous ignorions tous alors les véritables causes du désastre qui nous frappait. Les origines de la querelle où notre Seigneur s'était engagé, les circonstances du drame dans la demeure de Kira, les détails même de la mort d'Asano. Longtemps après, interrogeant ceux qui avaient vu, j'ai appris point par point ce qui s'était passé. En ce temps-là, l'empereur et sa cour résidaient à Kyoto, la cité capitale. Or, le 2e jour de la 3e lune de la 1ère année de l'ère Kuei, le shogun fut informé de la visite prochaine d'un envoyé impérial, le maréchal Hachikari, qui revenait d'une inspection dans les îles. Il convenait de le recevoir avec des honneurs spéciaux.
Des daimyos choisis parmi les plus puissants furent désignés pour recevoir le maréchal et l'escorter pendant son séjour à Kyoto. Ainsi furent choisis notre seigneur Asano et Kami. L'un pour sa grâce et sa bonne mine, l'autre pour la pénétration de son esprit. Le premier devait séduire le cœur de l'envoyé, le second pénétrer ses pensées secrètes. Asano était en effet dans la fleur épanouie de sa jeunesse radieuse. La splendeur élégante de sa mise provoquait l'admiration constante d'une cour où cependant chacun s'efforçait d'éclipser ses niveaux. Par l'été, amoureux de toutes les beautés, on l'avait vu demeurer plusieurs heures agenouillé, ravi devant une branche de pêcher fleurissant sous les dernières neiges. Certains de ses poèmes avaient été chantés devant l'empereur. Sa beauté, enfin, n'avait d'égal que sa droiture, sa franchise et son enthousiasme généreux pour toutes les vertus. Camille, bien que toujours habillée avec recherche, attachait moins d'importance au corps qu'à l'esprit. Ses regards, dont il s'efforçait en vain de voler la pénétration, semblaient fouiller les cœurs. Il écoutait avec une attention telle qu'il lui arrivait souvent de percevoir les pensées que son interlocuteur se retenait d'exprimer. Ainsi, sans effort, en peu d'instants, il connaissait les désirs et les craintes cachées des personnes qu'il rencontrait et pouvait à son gré servir ou contrarier leurs desseins. L'ordre du shogun communiquait aux deux princes d'avoir joué de travailler avec le ministre des rites pour organiser les cérémonies et les fêtes données en l'honneur de l'envoyé de l'empereur. Le ministre des rites s'appelait Kira. La laideur de son visage reflétait avec exactitude les difformités de son âme. Fils d'un trafiquant dont les navires bien armés pillaient les côtes de l'empire voisin, il avait acquis son grade et son influence non par sa valeur, mais par de continuels prêts d'argent faits à son maître, dans l'espoir d'acquérir plus de dignité en paraissant plus âgé. Il laissait sa face dissymétrique se couvrir de poils gris et raides comme ceux du blaireau. Des sourcils hideusement broussailleux rendaient plus creux ses petits yeux qui louchaient. Les trois feuilles d'érable de ses armoiries récentes s'étalaient géantes sur de tristes robes noires. L'on disait enfin, aux hontes, qu'il n'avait jamais contemplé l'acier bleu de ses sabres et qu'il ignorait de quelle main se saisissait le court poignard avec lequel tout samouraï, dès l'enfance, apprend les gestes du seppuku. Le point exact de son corps où faire pénétrer l'arme et le large mouvement qui ouvrira les entrailles. Asano, recevant l'ordre du shogun, se trouva déjà fort embarrassé. Comment agir? Il résolut de s'en fier à la vie de Kamei, qui, prudent, lui dit qu'il avait déjà préparé les cadeaux du sage. La règle est qu'un courtisan habile ne doit jamais prononcer de paroles défavorables qui puissent être répétées par imprudence. Il n'ajouta donc pas que Kira, étant avide et méprisant les arts, il importait que les cadeaux fussent considérables et composés principalement de métal massif. Il fut aussi retenu par le côté bon, généreux et noble d'Asano qui se serait aussitôt indigné. Néanmoins, il essaya de traduire ses pensées à plusieurs reprises, par certains regards détournés, certaines inflexions de voix prudente, mais il ne fut pas compris. Les présents dont Asano accompagna sa demande d'audience furent donc faits de soieries et de peintures rares. Ceux de Kamei consistaient en lingots d'or enveloppés de tissu du lien. Quand les deux princes se présentèrent ensemble au palais du ministre, somptueux dans leurs épaisses robes de cour si longues qu'il faut les fouler soi-même sous le pied, les manières de Kira ne laissèrent aucun doute sur les satisfactions différentes que lui apportaient les présents. À l'un des visiteurs, il réserva toute son obséquiosité servile, à l'autre, son insolence grossière. Les âmes viles connaissent uniquement ces deux attitudes. Asano, stupéfait d'un pareil accueil et ne sachant à quelle cause l'attribuer, retint son indignation et subit en silence son hôte et Kamei, qui causaient gaiement. Ils s'assirent tous trois, agenouillés sur les nattes fines, étalant noblement les plis raides de leurs larges vêtements. Le ministre alors, en quelques mots, fixa les attentions du shogun à l'égard de l'envoyé impérial et demanda aux visiteurs ce qu'ils pouvaient suggérer pour les fêtes et les cérémonies de réception. Toutes les propositions de notre seigneur étaient reçues avec un silence méprisant. Celle de Kamei avec un sourire approbateur. On en vint enfin à répéter minutieusement les cérémonies qui devaient avoir lieu au palais à l'arrivée du maréchal. Un secrétaire de Kira jouait le rôle de l'envoyé. Les deux princes s'inclinaient prosternés, puis se relevaient selon les indications du ministre. Asano et Kamei, habitués dès l'enfance au rite de la cour, accomplirent sans une faute leur rôle compliqué. Cependant, chaque geste, chaque mouvement d'Asano était l'objet d'une critique ou d'un sarcasme de Kira. Encouragé d'abord,
dans son insolence, par le silence étonné du jeune samouraï. Mais en pareil cas, la surprise fait vite place à la colère. Kameïs est avec inquiétude dans les regards de notre daimyo la montée flamboyante de sa juste fureur. Or, il n'est jamais favorable d'être mêlé, plus par une muette présence, aux discussions et aux querelles d'autrui. Sachant sa faveur assurée, il interrompit les dernières cérémonies et se prosternant, demanda l'autorisation de quitter le palais, pour mieux étudier, dit-il, certains points du rituel. Le ministre souriant le laissa partir. Mais comme Asano se prosternait à son tour, il l'arrêta d'un ton sarcastique. Il serait contraire à mon devoir de vous laisser partir sans être assuré que vous êtes en état d'accomplir votre mission. Mon secrétaire va vous donner une leçon de rite. L'insulte, venant après une série d'outrages à peine dissimulés, frappa le prince comme un coup de fouet. Il se redressa, dégaina son sabre et s'avança, criant « En garde, dit le conseiller! Défendez-vous si vous ne pouvez pas mourir comme une bête malfaisante !» Qui l'a épouvanté s'était levé d'un seul mouvement. Mais loin de tirer son arme, il tourna le dos et s'enfuit, un plan à l'air. Le prince le poursuivit, prêt à frapper l'autre, et puis il est par la terreur à l'air. À ce moment, le secrétaire du ministre, volant au secours de son maître, marcha sur les rangs traînants de son agresseur et le fit tomber. Le pillard était hors d'atteinte. Asano se retourna, appuyé sur un coude et d'un revers de son arme, fit sauter la tête du secrétaire. Et le sabre à la main, il se dirigea vers la sortie. L'alarme avait été donnée, mais notre daimyo put rejoindre son escorte. Nul n'osa l'arrêter. L'histoire a conservé le nom du secrétaire qui, n'écoutant que son courage, s'efforça d'entraver la juste colère d'un brave et sauva son maître au prix de sa vie. Il se nommait Kajikawa Gosono. Sa famille reçut de Kira une pension, dit-on, pendant une année seulement. Pendant que notre prince sortait du palais, Kira, la tête enveloppée de linge ensanglanté, s'asseyait dans son orimono, sa chaise à porteur de lac noir, et se faisait transporter en hâte au palais du shogun, tenant fermement un coffret empli de barres d'or. Il voulait que sa plainte contre le prince fût entendue la première, et que des offrandes de grand poids lui obtinssent une audience immédiate. Or, en ce temps-là, une loi formelle punissait de mort tous ceux qui osaient répandre le sang dans l'enceinte de la ville. Mais chacun sait qu'avant d'appliquer une loi, il convient tout d'abord de peser la nature des offenses. Le shogun, averti par la maison d'Asano, aurait pu décider que l'agression du samouraï ne méritait somme toute qu'une amende légère. Asano, cependant, de retour dans son palais, ne pouvait apaiser sa fureur. Sans une pensée pour le danger qui le menaçait, il écrivait ordre sur ordre, expédiant des messagers, faisant préparer ses armures et ses chevaux. Un des chefs de Saga partait sur le champ en toute hâte, avec un message pour Oishi, son second, qui était resté dans la maison fortifiée d'Asano à Enya. Une troupe devait se mettre aussitôt en route de là, afin de s'emparer de la ville d'Arima, qui appartenait à Kira. Asano, dans sa fureur, songeait à conquérir tous les fiefs de son ennemi. À ce moment, les gardes annoncèrent la venue d'un membre de la cour des censeurs, porteur d'un ordre du shogun. Surpris, le prince, qui n'avait pas encore retiré ses robes de cérémonie, alla recevoir son serviteur et son visiteur. Le censeur, selon les rites, l'invita à se prosterner pour écouter l'ordre du Seigneur du Seigneur. Puis, il déroula l'étoffe grise du décret et lut la sentence. Asano, le prince d'Enya, est condamné à se donner la mort. Sa forteresse et ses terres sont confisquées. Sa personne demeurera sous la garde du magistrat jusqu'à l'arrivée du daimyo Tamura Okyo no Daifu, à qui est confié l'honneur de lui servir de second pour le seppuku. Un samouraï ne voit dans la mort qu'une occasion de déployer sa bravoure. Le prince, ayant salué gravement,
pria le haut magistrat de l'excuser s'il occupait les derniers instants de sa vie à régler ses affaires de famille au lieu de lui tenir compagnie. Puis il appela un intendant et lui dicta ses instructions. La fatale nouvelle s'était cependant répandue dans le palais. L'on entendait de toutes parts s'élever les gémissements des femmes et les voix grondantes des hommes. Les instants passèrent, tombant goutte à goutte dans l'éternité. Dans le silence de linceul qui enveloppait maintenant le palais, on entendait uniquement les pas rythmés des serviteurs et des autres samouraïs avec des cliquetis d'armes. Un garde entra et parla à voix basse au censeur. Celui-ci alors se retourna et se prosternant devant le daimyo, il dit « L'heure est venue, le prince Tamura vous attend. » L'officier commandant notre garde était alors mon sage-maître, Hara Mototochi. Il était entré depuis quelques instants, tenant sur une étoffe de soie une boîte de laque d'or, étroite et longue, qu'il présenta au prince. Celui-ci l'ouvrit et y prit un court poignard dont la poignée et la garde, très simple, avaient pour seul ornement le mon, les armoiries de notre clan. Notre prince alors tira sur la gaine un instant pour donner à ses yeux le spectacle caressant d'un acier de rare perfection, héritage d'un aïeul lointain. Tamura, en large et opulente robe de cour, entouré de tous ses gardes couverts de leurs plus riches armures, attendait, agenouillé, appuyé sur ses mains et front baissé. Ils entraient et se prosternèrent à leur tour, rendant salutation pour salutation, se redressant et se prosternant encore. L'hôte enfin se releva et conduisit ses visiteurs vers le fond de la salle, à l'endroit le plus honorable, où une natte souple, blanche et fine comme un linge était étendue sur une épaisse étoffe huilée. Sans un mot, Hara Mototochi, qui avait accompagné notre seigneur, le débarrassa de sa lourde robe lamée d'or et d'argent au pied raide. Puis, il l'aida à changer ses vêtements intérieurs contre une simple robe de toile blanche, un kamichimo. La dernière toilette était faite. Le prince s'assit sur la natte, les jambes pliées. Son poignard dans la gaine posé devant lui sur une feuille de papier souple. Thank you.
Jordénia. Debout sur la colline, silencieux, nous regardions l'incendie de la forteresse d'Enya et la déconvenue des envoyés du Shogun. Oishi, qui nous avait rejoints, nous dit « Il est possible que notre ennemi n'ait pas encore eu le temps de préparer sa défense. En l'attaquant à l'improviste, nous aurons l'avantage de la surprise, et peut-être celui du nombre. Hâtons-nous donc d'aller à Kyoto. Quatre d'entre nous partiront en avant, voyageant sans arrêt, et espionneront le palais de Kira, ses défenses. Et tous les renseignements qu'ils pourraient se procurer. De leur habileté dépendra le succès de notre attaque. » Réfléchissant un moment, il nous regarda l'un après l'autre et désigna enfin les quatre éphéros. Nous voulions tous d'être nommés, mais, à ma grande surprise, il choisit Horibe Kanamaru, qui était très âgé, et Akagaki Masakata, qui était constamment sous l'emprise de la peur. Quant aux deux autres, il n'avait à mes yeux absolument rien d'extraordinaire qui justifiait un tel honneur. Les quatre meilleurs chevaux de notre troupe leur furent donnés. Et quand d'un bond, ils sautèrent en selle, nous commençâmes alors à comprendre la sagesse de notre chef. Nos quatre compagnons étaient des cavaliers exceptionnels qui sauraient obtenir de leur monture toute la vitesse dont elles étaient capables pour accomplir sans défaillance la longue et difficile chevauchée jusqu'à la capitale. Nous partîmes derrière eux, affectant d'être un groupe de pèlerins se rendant au temple de Shinibashi, qui était situé non loin de la maison de nos ennemis. Nous fûmes obligés de coucher quatre fois en chemin avant d'atteindre enfin notre destination. Sous le portique du monastère, Akagaki, qui avait dû couler dans un fossé car il avait la figure et le corps maculés de boue, nous attendait assis à terre, évidant au grand scandale des gardiens son éternel flacon. Il nous regarda passer sans un signe, incapable sans doute de nous reconnaître. Cependant, en apercevant Oishi, il se leva lourdement et voulut entrer avec lui dans le temple. Mais il chancelait tellement que notre chef dut étendre la main pour l'empêcher de venir. Et nous, indignés de sa conduite, nous rougissions d'entendre derrière nous les rires des portiques. Akagaki, cependant, abandonnant presque aussitôt le bras qui le soutenait, heurta de l'épaule l'une des colonnes du portique, s'y cramponna et nous laissa continuer notre chemin. Plus loin, un vieux mendiant tout voûté, les cheveux blancs embroussaillés, vint nous demander le nom. À part notre compagnon et ce mendiant, le monastère était désert. Nous allâmes alors nous prosterner dans le temple, accomplissant les rites habituels des pèlerins. Comprendre comment notre chef en avait été informé. Nous n'osions cependant nous communiquer nos pensées,
puisque des espions nous surveillaient. D'ailleurs, l'ordre était formel, il fallait nous disperser. Nous même pensions nous quitter. Avant de rejoindre notre poste de garde auprès du tombeau, nous allâmes errer autour de la maison de Kira. Un coup d'œil nous suffit pour reconnaître la folie d'une attaque. Un corps de troupes du shogun campé sur la place devant la grande porte d'entrée. Quand le soir, au monastère du Sengakuji, nous fûmes installés dans le pavillon réservé aux gardes du tombeau, je ne pus m'empêcher d'aller visiter Hara Mototochi. Je lui communiquai mes sentiments. Il m'écouta, la figure étonnée, et me dit enfin. N'avez-vous donc pas reconnu dans le vieux mendiant du temple de Shinbibashi notre camarade Rolibe Kanamaru? Je comprends. Et Akagaki était sans doute parfaitement sobre. Et les deux autres? Vous étiez sans doute éloigné et n'avez pas remarqué que deux des porteurs de Ishi se sont disputés avec lui peu avant d'arriver au temple. Je l'ai vu. Mais quand une caravane passe dans une ville, il est rare que des porteurs ne l'abandonnent pas, tentés par la vue des nombreux cabarets. On les remplace aussitôt et l'on continue. Ainsi d'ailleurs que nous l'avons fait. Il s'est trouvé seulement qu'Oishi lui-même avait habilement provoqué la querelle et que ces deux nouveaux porteurs étaient nos deux communs à Paris. Votre étonnement me fait espérer que l'ennemi lui aussi a été trompé. Quand un chef a fait prendre des renseignements secrets, il les reçoit en secret. Nul ne doit savoir qu'il est informé. Je baissai la tête, rougissant de honte à la pensée de la grave erreur que j'aurais commise si j'avais été choisi. Les jours s'écoulèrent. Aucune instruction ne nous était transmise par Oishi. Les inlassables révolutions du soleil ramenèrent deux fois l'éclat de la pleine lune. Deux mois passèrent. Dans mon impatience, enfin, je déclarai au sage Hara Mototochi que je ne pouvais plus supporter cette attente. Je voulais savoir si notre vengeance mûrissait. Il me demanda simplement. Que comptes-tu faire? Interroger Oishi? Tu sais bien qu'il nous transmettra ses plans à l'heure choisie par lui. Il ne parlera pas une seconde plus tôt. Et quand il aura besoin de nos sabres, nous le saurons. Sois tranquille. Cependant, que font nos compagnons? Nous sommes retenus ici par notre charge. Mais les autres seraient-ils bien notre ennemi? Je vois que ta jeunesse bouillante ne peut supporter davantage cette attente qui se prolonge. Moi-même, ai-je besoin de le dire? Je redoute que dans l'ignorance où nous sommes tous deux maintenus, nous ne laissions peut-être passer une occasion. Vous le reconnaissez vous-même, Harasan? Nous sommes à l'affût comme des chasseurs, mais nul ne nous a placés de manière à ne pas laisser échapper le gibier. Nous ne savons pas où celui-ci doit déboucher. Nous ignorons si nous pouvons le tuer nous-mêmes, nous devons le pousser à droite ou à gauche. Cela n'est-il pas une grande faute de stratégie? J'avoue ne pas comprendre. Mais cela ne me suffit point pour juger. Il convient de condamner seulement ce que l'on reconnaît comme à coup sûr pour mauvais. Qui sait si tout cela ne dissimule pas quelques plans secrets de notre chef? Ou n'est pas le fruit d'informations que lui seul possède? Ne serait-il pas sage de nous en assurer? Et comment le faire? Ma figure est connue. Ma position ici est trop en vue pour que je puisse la quitter à mon gré, sans que Kira aussitôt en soit informé et me fasse surveiller. Mais toi, tu peux partir. Et ton départ semblera même naturel s'il apparaît à tous comme contraire à tes désirs. Aujourd'hui donc, je te ferai des reproches violents sur ta conduite. Tu me répondras avec insolence et je te chasserai de notre garde d'honneur. Mais ma mémoire ne sera-t-elle pas entachée? J'ai tout pesé en mon esprit, mais pas d'autre moyen. Crois-tu que je n'ai pas remarqué tes attitudes et tes actes? J'attendais que tu me demandes plus tôt encore à partir et j'avais longuement réfléchi. La mémoire d'un samouraï est entachée gravement. Si l'on peut dire de lui qu'il a reculé devant une action utile, quelle qu'elle fût, pour accomplir son devoir. Quand son devoir est clair devant lui, rien ne compte plus, ni amour propre, ni famille, ni souci de soi-même. Telle est la règle, telle est la voie pour ceux qui veulent guider le troupeau humain vers des destinées de plus en plus heureuses, hors des marécages infâmes, de l'injustice, de l'oppression et de la haine. Je vous prie de me donner des informations sur ce que je devrais faire une fois chassé du monastère. Avec une partie des rios d'argent que tu possèdes, tu achèteras un ballot de marchandises variées, au fond duquel tu cacheras tes armes. Déguisé en colporteur,
tu pourras circuler sans cesse et pénétrer dans toutes les maisons. À toi de profiter des occasions, et même d'en faire naître. Tu pourras revenir ici sans que cela provoque de surprise. Reviens donc souvent me rendre compte de ce que tu auras appris. Je le saluais encore et me retirais. Remerciant le destin qui m'ayant donné de connaître un sage, me permettait ainsi d'acquérir la sagesse. Car l'intelligence se développe au contact de l'intelligence, comme, pour le corps, la chaleur pénètre aisément qui se tient auprès d'un brasier. Dès le jour même, selon ce qui était prévu, Aramoto Dochi m'adressa une vive réprimande et me renvoya du clan en me sommant de partir sur l'heure. Mais forçant de contracter avec colère ma face en réalité rouge de honte d'être ainsi traité devant nos hommes étonnés, une heure après, j'avais quitté le monastère en portant seulement dans ma ceinture 10 rios d'or qui devait me servir de capital pour mon commerce de colporteur. Je pris bien soin d'acheter une partie de mes marchandises dans le village tout proche de la demeure de Kira, racontant avec fureur mon renvoi du clan et ma détermination d'abandonner l'ingrat métier de samouraï. Les marchands, toujours un peu jaloux de nous, me félicitèrent de ma décision, me vantant les joies de la fortune et de la liberté. Ils m'aidèrent à former mon ballot et me donnèrent en riant la règle bien simple de leur profession. Pour acheter, payer le plus bas prix en déclarant que la marchandise est inférieure de qualité, abîmée et n'est pas à la mode. Pour vendre, calculer un gros profit et crier que l'objet est de première qualité est précisément ce qui est le plus demandé à la cour et à la capitale. Une petite réduction consentie à la dernière minute assure toujours la vente. Me voilà donc, moi, Terasaka Kichiemon, à peine âgé de 16 ans, cheminant sur la grande voie du Tokaido, chargé d'un lourd ballot de marchandises diverses. Ce jour-là, le ciel bleu, la verdure, les maisons basses bordant le chemin d'allée, tout était inondé de soleil. Les voyageurs que je croisais riaient et bavardaient. Mais moi, je me hâtais, et soudain, je m'aperçus que j'ignorais encore le but de cette marche précipitée. Découragé, je ralentis le pas, songeant. Questionner Oishi était vain. Il ne me prendrait certes pas pour confident. Interroger nos compagnons? Mais où les retrouver dans le monde sans limite? Et me confieraient-ils eux aussi leurs secrets? De maison en maison, de ville en ville, d'information en information, il m'apparut très vite que parmi ceux des miens, peu étaient ceux qui avaient gardé foi en Oishi. Toutefois, certains étaient restés fidèles, et parmi eux, je retrouvais Kanzari Yagoro, devenu charpentier afin de pouvoir, en toute liberté, décider les plans de la maison de notre ennemi. Dans une lettre, j'informais Hara Mazutochi, laissant transparaître presque malgré moi tout mon dépit envers ce bien trop nombreux qui avait failli. Et la réponse qu'il me fit occupa mon esprit durant plusieurs jours. Les abysses de la mer sont plus aisés à sonder que le cœur de l'homme. À nos actions les plus simples, l'on peut toujours attacher les interprétations les plus contradictoires. Bien rares, d'ailleurs, sont les personnes qui connaissent les véritables et profonds motifs de leurs actes, alors même qu'elles pensent ces actes accomplis seulement en vue d'atteindre le but très clair qu'elles se sont fixées. L'amour est peut-être venu à l'un, comme la fortune est venue à l'autre. L'épreuve sera rude. Quand l'heure sonnera pour ceux auxquels le sourit, bonheur et succès. Il faut pour courir vers la mort une force d'âme infiniment plus grande à ceux qui s'arrachent à la prospérité qu'aux infortunés flagellés par l'adversité. Ces mots soudains pénétrèrent en moi comme une lame glacée. Un habit noir s'ouvrit devant moi et me donna le vertige. Je n'avais pas pris conscience que celui que je prenais pour un traître avait beaucoup plus à perdre que la vie. Car sans lui, que deviendrait sa famille? Voici que les paroles de Haramoto Tochi, comme j'allais partir pour voir notre chef Oishi, déchirent le voile de mon ignorance. Devant moi s'ouvrait l'insondable abîme de mon sacrifice. Sans m'arrêter pour prendre de repos, j'avais traversé la ville impériale, franchissant en aveugle le pont sur la rivière, et me rendant directement dans le quartier de Shimabara,
où notre chef nous avait dit d'avoir sa demeure. Mon ballot de marchandises m'avait ouvert toutes les portes et toutes les bouches. Feignant d'avoir entendu dire qu'Oishi avait une grande fortune, j'avais demandé son adresse, dans l'espoir, affecté, de vendre d'un trait toute ma charge aux flammes de sa maison. Chacun m'avait aussitôt raconté ce qu'il savait. Comme je l'avais entendu dire, notre chef avait répudié son épouse, lui remettant un soir d'ivresse ses lettres de divorce, lui laissant toutefois ses enfants et sa maison, ainsi qu'une somme suffisante pour vivre. Pour lui, logé non loin de là chez une geisha, il passait ses journées dans une maison de liqueur dont le propriétaire était son meilleur ami. Le sang de la colère et de la honte me montait au visage pendant que, souriant et plaisantant, j'écoutais les railleries méprisantes des bavards et des bavards. Le ministre d'Éric peut dormir tranquille maintenant. Le clan des liens guidé par un tel chef sera tout juste de force à faire l'assaut de flacons de saké. Tous les samouraïs et la capitale se demandent s'ils ne devraient pas permettre de mettre à mort ce lâche qui laisse invenger la mémoire de son seigneur. Nous étions donc trahis, abandonnés. Des renseignements plus précis m'étaient nécessaires. L'épouse d'abord dirait une partie de la vérité. Oishi lui-même, plus tard, me rendait raison. Mon sabre vengerait notre honte et punirait sa trahison. Dans la maison calme et tranquille, au flanc du coteau dominant le moutonnement des trois buis, je retrouvais l'épouse sérieuse et large que, dès l'enfance, on avait nommée Michi, pour la fermeté inflexible de son caractère. Je m'excusais de la troubler dans son chagrin. Elle m'écouta en silence, me pénétrant de ses yeux clairs, et dit enfin. Une épouse n'a pas à juger son mari, le père de ses enfants. C'est lui qui dirige, elle n'a qu'à obéir, lui seul sait. Les flammes irréfléchies de votre jeune âge éblouissent votre jugement. Vous avez écouté des rumeurs déraisonnables et vous pensez savoir. N'oubliez pas que pour connaître la véritable valeur d'une action, il faut en attendre le résultat. Le résultat qui permet seul de juger les moyens employés. Impressionné par sa fidélité, son malheur et son intelligence, je ne pus que m'incliner et me taire. Vous allez voir mon mari. Dites-lui que cette nuit j'ai fait un rêve. Je l'ai vu sous la clarté de la lune chancelant sur le chemin du verre de neige. Quatre hommes, le sabre à la main, le suivaient en se dissimulant dans l'ombre des maisons. Un rayon de lune les a frappés un instant. Ils se méfient surtout de l'homme qui a une cicatrice à la gauche. Quand je sortis, la suivante m'indiqua la nouvelle maison de son maître. Et sans plus de cérémonie, je m'y rendis. Quelle ne fut pas ma honte en apercevant de loin notre chef, la figure enflammée d'ivresse, se tenant avec difficulté appuyé sur l'un des côtés extérieurs de son portique, ayant dans une main un flacon de grès et dans l'autre une coupe de porcelaine. Sa dégradation était publique. À ce moment, je vis aussi de l'autre côté de l'avenue un samouraï arrêté, la figure sombre, les yeux étincelants, la main droite sur la poignée d'un de ses grands sabres. Reconnaissant un héroïne d'Enya, Hazama Mitsuoki, j'allais vivement vers lui, et sans souci des règles de politesse, je lui dis. Hazama-san, daignez entrer avec moi dans la maison de notre maître. En me reconnaissant, son visage se détendit. Notre chef nous attendait au seuil de la pièce d'honneur. Hazama sortit de sa manche une lettre qu'il déplia, et qui était couverte de signatures. Oishi l'a reçue, et lut lentement à voix basse. Nous n'en sans quête le pied. Ronin, Ladatan renvoie un ordre de vous, désire connaître vos plans. Ils ont juré de mourir ensemble, mais ne veulent pas périr sans avoir tenté de venger la justice outragée, sans avoir lavé leur honneur de loyaux guerriers, et vous supplie de leur répondre. Voilà une fort bonne lettre. Et les signatures sont nombreuses. Mais il écouta mon rapport et dit enfin. À vrai dire, Hazama-san, j'attendais depuis assez longtemps déjà quelques démarches de ce genre. Je suis heureux qu'elles soient faites par vous, l'un des plus braves, parmi les braves de notre ancien clan. Votre parole aura plus de poids. Kira, ce gars, de telle façon qu'il est impossible de l'attaquer en dehors de son palais. Quant à faire l'assaut de sa demeure, il n'y faut pas songer. Dans ces conditions,
Rappelez-vous la règle du combat. Si une entreprise semble vouée à l'échec, un général doit l'interrompre à tout prix. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons mourir. Libre à vous de le faire. Mais pour moi, si vous me donnez d'y réfléchir, d'autres que moi réfléchiront aussi. Alors il sortit de sa manche un parchemin qui se déroula en partie. Je reconnus le serment écrit de notre sang. Voici notre serment. Il est devenu inutile. Veuillez donc le rendre en mon nom à chacun des conjurés. Que chacun ait sa signature. Et si malgré tout il en est encore qui veulent mourir, libre à eux de le faire. Il en est peu, sans doute, qui choisiront de quitter les plaisirs de la vie. Surtout ceux parmi lesquels la fortune et le bonheur ont souri. Pendant notre entretien, il m'avait semblé percevoir, à travers de la mince cloison de papier à notre gauche, les mouvements d'une ombre. À ce moment, le soleil qui avait donné tourna dans la pièce voisine. La silhouette d'un homme aux écoutes apparut plus distinctement. Quand mon attention ainsi discrète revint sur nous-mêmes, je fus surpris de voir Azama s'incliner gravement et prendre le parchemin en disant « Très bien, Mugisseur. Notre ligue est dissoute. Je préviendrai nos conjurés et je leur montrerai la folie de notre entreprise. » Ma surprise fut si grande que mon indignation ne put s'exprimer. Déjà, Azama se relevait. C'est alors sur le seuil presque que je me rappelais le rêve de la sage Ishii et les avertissements de Kanzai. Je les redis à Oishi qui hocha la tête. J'ai trop parlé. Je meurs de soif. Ne voulez-vous pas une coupe de saké? Le lendemain, dans mon auberge, il n'était bruit que de la découverte faite le matin même de quatre cadavres étendus dans la neige sanglante, accoutés de leurs sabres ébréchés, morts sans doute tous quatre de leurs blessures et de froid après quelques querelles futiles. Poussé par une impulsion mystérieuse, j'allais voir les cadavres que la police relevait. L'un d'eux portait une large cicatrice à la joue gauche. Les montagnes, les rivières et la mer, tout le long du Tokaido, sont illustres dans l'univers pour leur beauté surprenante et variée. Mais moi, découragé, devenu vraiment un ruine, puisque mes serments étaient abolis par notre chef, comment pouvais-je goûter les splendeurs du paysage? Sans passion, ni envie, je rentre au monastère où Arama Totochi attendait mon rapport. Pour conserver son rôle, il me reçut avec les apparences d'une froideur étonnée. Me pria néanmoins de dîner avec lui. Ce ne fut que fort avant dans la nuit, quand il fut assuré de notre solitude, qu'il se pencha vers moi et me dit simplement « Eh bien ?» Je lui racontai dans le détail mon entrevue avec Oishi et Ahazama Mitsuki. J'allais ajouter des remarques amères sur notre chef, sur sa dégradante conduite, sur la traîtresse reddition de nos serments. Mais la prudence retint mes paroles. Qu'importait d'ailleurs mon opinion dans un tel désastre? Ma surprise fut extrême de voir la figure de Hara s'éclairer à mon récit et de l'entendre prononcer ces surprenantes paroles. Je vois enfin se lever l'aurore de nos espoirs glorieux. Je vous demande pardon. Ainsi, même à vous, qui l'avez vu, qui l'avez entendu, il vous a laissé entendre qu'il abolissait nos serments. Comment notre ennemi ne le croirait-il pas? Lui qui dispose seulement des rapports de ses espions. Un héros seul, en effet, a le courage de se déshonorer en apparence afin d'attendre au plus grand des honneurs. Il a rendu nos serments, il a dénoué la ligue. Notre ennemi connaissait l'existence du serment écrit de notre sang. Il sait aujourd'hui que ce serment est aboli. Il croit aussi qu'Oishi, méprisé de tous, n'est plus à craindre. Il se gardera de moins près. L'heure de notre vengeance approche. Je pars dès demain dans mon village natal afin de régler mes dernières affaires de famille. Vous feriez bien de régler aussi les vôtres. Nos veuves et nos enfants ne seront pas sans ressources. Notre princesse a fait dire qu'une pension serait versée chaque mois aux familles de ses guerriers les plus loyaux. J'ai donné déjà le nom et l'adresse de votre épouse et votre fils. Les paroles qui sont sorties de la bouche, nul ne peut les reprendre. Nul ne sait jusqu'où elles peuvent être. Le lendemain, j'allais de maison en maison, visitant les conjurés.
et je perdais à chaque visite un peu de ma confiance. Hadzana Mitsuoki était passé devant moi, rendant à chacun la parole donnée. Tous les nôtres brûlaient d'indignation et de colère. Les uns parlaient de pénétrer seuls dans le palais de Kira. D'autres voulaient se choisir un nouveau chef. De nouveau, le doute était entré dans mon esprit. Orishi nous trahissait, nous abandonnait. L'heure n'était pas proche. Rien n'était fait, ni pour maintenir le courage des conjurés, ni pour clarifier les renseignements recueillis, ni même pour former un plan d'attaque. Beaucoup d'entre nous avaient été obligés par la misère de vendre leurs armures. Quelques-uns n'avaient même conservé qu'un sabre. Que pouvions-nous faire? Les mains nues contre les troupes bien armées de notre ennemi. Cependant, l'attention populaire était toujours fixée sur les samouraïs d'Enya. Le peuple et les nobles attendaient également de nous le châtiment de l'injustice. Si l'opprimé supporte lâchement, sans une révolte, la main traîtresse de l'oppresseur, s'il préfère une vile existence de chien à la mort glorieuse d'un défenseur de la justice et de l'honneur, rien, certes, n'impose à l'autre de mourir à sa place. C'est un devoir de soutenir et d'aider ceux qui luttent jusqu'au dernier souffle pour la bonne cause. C'est aussi un devoir de laisser périr les lâches qui ne font pas un effort pour sortir du fossé bourbeux où ils sont tombés. Dans toutes les maisons de la ville où je colportais mes marchandises, l'on savait maintenant que nos serments avaient été rendus. Il n'était pas une mouche, même la plus méprisable, qui ne trouva pour les samouraïs d'Enya des épithètes pareilles à des coups de fou. Le rouge me montait au front pendant qu'il me fallait crisper les lèvres en un sourire complice. Les rumeurs de la ville montèrent sans doute jusqu'à Kira, confirmant les rapports de ses espions, car, passant devant son palais, je ne vis plus de garde à l'extérieur. La curiosité me fit franchir le seuil de la porte, entrouverte. Dans la cour, quelques hommes armés se tenaient à la place du bataillon que j'avais vu à peine un mois auparavant. L'économie était une des vertus du puissant Nice. Dans mon cœur bouillonnant, je formais un moment le dessein d'immoler Orishi aux mains de notre Seigneur. Mais notre vengeance n'aurait pas été à souffrir. Je résolus plutôt de tenter seul une attaque contre Kira. Je me tins pour cela dans les rues avoisinant sa résidence, essayant sans questionner de savoir à quelles heures il sortait. Mais je constatais bientôt que s'il avait diminué la garde de son palais, puisqu'il ne craignait plus un assaut mené par une troupe nombreuse, il redoutait encore l'attaque de quelques hommes sur son cortège et ne sortait jamais sans être entouré de la manière la plus sûre. Tanzali Agolo me reçut un soir dans sa maison. Quand le silence régna et qu'il put me parler sans crainte d'être entendu, il me demanda s'il y avait une lueur d'espoir. Mon front baissé laissa voir ma honte et ma désespérance. Alors il me dit, étouffant ses larmes et grinçant des dents. Tout est prêt cependant. Nous avons les plans complets des appartements secrets de Kira. J'en avais dessiné une partie moi-même, en exécutant les travaux de réparation habituels à chaque saison. L'autre partie a été levée par le frère Tatsame Mitsuoki. Il s'est présenté comme ouvrier pour la réparation des appartements intérieurs. Dans les pièces les plus secrètes, il connaît les entrées, les sorties et les panneaux cachés. Nous avions communiqué nos informations à notre chef afin qu'au jour de l'attaque, toutes les issues puissent garder. Tout ça est maintenant inutile. Un grand nombre des nôtres, n'ayant ni femme ni enfant, s'étaient hâtés de dépenser en fait ou autrement les 200 riyos reçus lors du partage de nos trésors. À quoi bon, disait-il, pour ceux qui vont mourir dans un an, garder des richesses plus grandes qu'il n'en faut pour vivre pendant un terme aussi court. Gaspillant sans calculer, ils avaient atteint plus vite qu'ils ne le pensaient le fond de leur bourse. Et c'est alors que plusieurs avaient dû vendre leurs armes. À notre indignation de voir la justice non châtiée, à notre honte d'être méprisés de tous, ceci ajoutait leur déception de se voir réduits désormais à la misère et au mépris. La colère et la douleur grondaient dans toutes les âmes des conjurés. Nous voulions tous agir, mais il nous fallait un chef, et nous avions perdu le nôtre. De rouges pensées de rébellion versaient leur poison dans mon âme, pendant qu'après avoir visité tous nos conjurés, je suivais le sentier montant vers la mort. Ma confiance en Orishi était détruite. Je venais de voir où son étrange conduite et notre foi trop aveugle nous avait menés. Comment écarter ce traître sans attirer les soupçons? Haramoto Tochi, dans sa cellule étroite et nue, était assis,
immobile et grave sur les nerfs fugueuses. Il faut que vous soyez notre chef. Nous sommes prêts à l'action, mais Oishi a perdu notre confiance. Il nous abandonne. Il nous rend nos serments. Le peuple entier nous méprise à cause de lui. C'en est trop. Pourquoi veut-il dissoudre notre ligue? Pourquoi ne nous donne-t-il pas le signal? Nous possédons le plan du Yashiki, de notre ennemi. Des guides sûrs connaissent les issues les plus secrètes. Nous savons exactement l'heure où notre attaque sera la plus terrible. Les gardes du palais sont encore nombreux. Mais nous avons pour nous l'avantage de la surprise, de l'ordre et surtout d'une volonté inébranlable. Oishi le sait. Il choisit son heure. Un bruit de pas dans la cour nous interrompit. Je repris le ton des conversations qui conviennent avec Ané. Ané lui, un instant plus tard, annonçait la visite de Hadzama qui entra presque aussitôt. Il tira de sa poitrine un rouleau de papier blanc. Je reconnus immédiatement le texte que nous avions signé de notre propre sceau. Il déroula le document dont il y avait votre serment. Tous les conjurés ont signé déjà. J'ouvrais la bouche pour demander le nom des lâches qui avaient osé signer leur propre déchéance. La surprise m'arrêta. Alain prenait le document et faisant glisser un pinceau sur une pierre à broyer encore humide placée à ses côtés, il écrivit quelques mots et signa d'un geste vif. Hadzama me tendit l'écrit à mon tour. Mon pinceau écrasa sur le papier les mots. Je renouvelle 10 000 fois mon serment. Sans regarder, notre visiteur prit le document et le rangea. Je dois remettre sans retard cette pièce à notre chef. Je pars donc. Mais veuillez vous trouver le 13e jour de la 12e lune, c'est-à-dire dans 7 jours à l'heure du tigre, auprès du tombeau de notre daimyo. Ce sera sans doute le dernier conseil de notre clan. Telles sont les instructions de notre chef. Gardez le secret. Ainsi, devant la tombe même de celui que nous trahissions, nous avions décidé d'abandonner notre vengeance. Mais en ce cas, pourquoi le secret? Le doute revint dans mon esprit. Oishi avait-il décidé d'agir? Incapable d'attendre tant de jours, je me levai d'un bond et déclarai que je partais pour Kyoto. Hadzama eut un sourire et s'inclina, disant « Heureux de nous avoir comme compagnon de route. » Pourquoi ce sourire? Que savait-il? À Kyoto, nous trouvâmes Oishi, debout sur son seuil, appuyé sur le montant de la porte, comme au jour de notre précédente visite. Il tenait dans sa main un flacon de saké. Le teint enflammé, l'œil brillant, il adressait des plaisanteries à toutes les femmes qui passaient, rougissant, tête baissée et se hâta. Quand il nous vit, il agita la main en signe de bienvenue, et se redressant d'un effort, vint vers nous au lieu de nous faire pénétrer dans sa demeure. Mon flacon est vide. Je vais le faire remplir. Venez avec moi. Eh bien, combien? 47. En vous comptant, on confirmait leur serment. Voici. À ce moment, Oishi trébucha, nous entraînant presque dans sa chute. Le rouleau lui fit remis si adroitement que je m'en aperçus seulement par la raideur de sa main. Il demanda encore. Le rendez-vous est bien donné? L'heure, le lieu et la date sont fixés. Pour les armes et les armures, il est convenu que nul ne s'en préoccupe. C'est entendu. Nous étions de nouveau dans une rue fréquentée. Il accentua sa démarche chancelante et nous fit entrer enfin dans une maison de liqueur. Il y était sans doute fort bien tenu. Par l'accueil fut amical. Oishi montra son flacon vide. Le patron prit aussitôt l'objet pour le remplir et sortir. Notre chef, d'un regard, le désigna et nous dit tout bas. Un espion de notre ennemi. Il m'a été bien utile. Il ajouta alors à haute voix. Oui, tout me lasse. Je vieillis d'ailleurs. Il est temps de songer à ma vie future. J'ai depuis longtemps l'intention d'accomplir un pèlerinage afin d'épargner à mon âme les périls des 16 enfers. Le patron revenu était debout derrière lui et souriait, semblant dire repentir de plusieurs. Je me suis décidé pour le monastère de Manfuji et de Kamakura. L'on dit que le vin y est particulièrement bon. Mes bagages sont déjà prêts et j'en emporte beaucoup.
car j'ai acheté bon nombre d'étoffes et de cuivre que je revendrai en passant par Edo. Que dites-vous de mon projet? J'ai l'intention de devenir marchand. Le métier de samouraï m'est dévié, je l'abandonne. Pour moi, je pouvais avec peine contenir mes émotions contradictoires. Ainsi, tout était prêt. Les armures même étaient commandées. Quand je pensais notre cause abandonnée, l'heure du combat était proche. Au jour et à l'heure fixée dans le Sengakuji, les 47 conjurés s'étaient rangés dans une salle intérieure entourée d'autres salles vides où des fils légers avaient été tendus et entrecroisés. Personne ne pouvait y pénétrer sans ébranler les sonores poisons de papier. La demi-obscurité, le silence des conjurés, les graves accents assourdis de la voix d'Oishi, notre émotion de voir soudain s'approcher l'aurore de notre vengeance, tout nous transportait dans un monde étrange et enthousiasmant. Nous aurions voulu nous prosterner devant notre chef afin d'implorer le pardon de nos soupçons injustes et insultants. Il le sentit sans doute, car il dit « Beaucoup d'entre vous ont songé à m'immoler. Que leur loyauté soit à jamais vantée. En présence d'un ennemi rusé, un chef doit chercher à tromper même ses guerriers. S'il ne peut décevoir les siens, il ne pourra réussir dans aucune de ses ruses. Kira, me croyant un débauché, a cessé de se garder. Aujourd'hui, il pense que notre serment est aboli. Il est perdu. Chacun trouvera dans cette salle une armure complète et des sabres de trempe choisis. Armez-vous dès maintenant. Mais avant cela, écoutez avec attention notre plan d'attaque. Nous serons divisés en trois corps, chacun sous la conduite de ceux qui ont déjà pénétré dans la demeure de Kira. Nous connaissons toutes les issues, lesquelles devront en tout premier lieu être gardées, afin que personne ne puisse s'échapper. Hanzama, Aramototochi et moi, nous serons ces chefs. Que l'on nous obéisse au moindre geste, le succès en dépend. Maintenant, je vais vous lire mes instructions. Le signal d'attaque sera donné quand nous serons placés par 9 fois 3 coups de tambour. Le signal pour se rassembler après le combat, quand Kira sera immolé, sera 3 sifflements. Pour nous reconnaître, nous dirons « montagne » et l'on devra répondre « vallée » qui est le contraire de montagne. Quand nous nous serons servis une fois de nos arcs, nous les briserons afin de ne pas nous blesser les uns les autres dans le tumulte. Nous devrons éteindre toutes les lanternes et tous les feux afin que l'ennemi ne puisse nous compter. Couvrez votre armure par devant d'une étoffe jaune claire afin de vous reconnaître les uns les autres. Avant l'attaque, nous boirons du saké chaud afin d'attaquer avec plus d'énergie. Demain soir, en cette même heure du renard, nous nous retrouverons en 3 groupes dans 3 restaurants différents. Afin de ne pas éveiller l'attention sur notre nombre, j'ai déjà retenu des salles chez Horibe Yae, à l'extrémité ouest du pont des deux États, à l'auberge des Trois Bonheurs, dans la rue qui longe le mur septentrional de la demeure de notre ennemi, et dans la maison de Konami, qui est près de l'entrée de notre objectif. Nous feindrons d'être des sociétés de haïku réunies pour un concours de poésie. Groupez-vous donc par 15 et hâtons-nous. Voici l'arme avec laquelle notre Seigneur s'est donné la mort. Elle me servira pour infliger le dernier coup à notre ennemi. En quelques instants, nous avions revêtu nos armures, faites de bandes d'acier bruni retenues par des cordes de soie. Par-dessus, nous avions tous un kimono ou bien un grand manteau de toile huilée. Pendant que nous nous armions, les groupes pour l'attaque se formèrent. Les dernières instructions furent répétées. Nous partîmes enfin, un par un, dans la nuit sombre.
le jour hivernal s'assombrissait. Huit perles plus grissantes. Dans la chambre isolée, au fond de la maison de Hazama, Oishi, assis sur les nattes devant une table basse, écrivait. Son pinceau traçait rapidement les lignes. Pour mon épouse, depuis que vous êtes venue dans ma famille, je vous dois les 6/7 de mes joies. Mes larmes de regret ont été incessantes depuis que je vous ai quitté. Le froid glacial de la séparation a transi mon cœur lorsque, par fidélité pour notre Seigneur, j'ai tranché le lien de notre union. Et cependant, comme une lourde perle garde toujours son orient lumineux, vous avez, je le sais, conservé votre amour pour votre époux. L'humanité entière s'exhale à redire votre grande gloire. Nulle action ne pouvait convaincre davantage d'autres ennemis de ma dégradation que celle de renoncer à une épouse telle que vous. Sans amour, vous l'avez sans doute compris. Et la joie de préparer notre vengeance a dû vous donner, comme elle l'a fait pour moi, la force de résister. Votre fils aîné est auprès de moi. Nous parlions de vous, en un mot ou deux, quand nous étions certains d'être sûrs. Il comprenait mes sentiments muets. Je savais ce qu'il pensait de vous. Dans quelques heures, Kira aura cessé de vivre. Réjouissez-vous, notre longue épreuve est terminée. Sans doute, plusieurs des héroïques conjurés, moi-même peut-être, nous aurons succombé dans la lutte. Mais l'injustice faite à notre clan sera réparée. Notre honte se transformera en une gloire sans fin. Car nulle renommée jamais n'égalera celle de braves qui sacrifient leurs sentiments et leur vie afin de faire régner la justice et l'honneur. Et si ce soir la mort nous épargne, il est certain qu'elle nous atteindra dans quelques jours. Le massacre de Kira et de toute sa famille, l'incendie de son yashiki sont des offenses trop graves pour être pardonnées. Le souvenir de votre visage royal, la pensée de votre pur et grand dévouement d'épouse et de mère m'ont soutenu et me soutiennent encore aujourd'hui. Soyez fiers de vous-même. Vous ne serez pas ce que je suis si vous n'étiez pas ce que vous êtes. La nouvelle de notre victoire vous parviendra peu après que vous aurez reçu cette lettre. Votre souvenir sera ma dernière pensée. Les yeux fixes, sans relire, il roula la bande de papier et la serra de son cachet. Puis il frappa dans ses mains. Un vieil écuyer, au visage marqué de plusieurs blessures, entra et s'agenouilla. Mori, je vais te confier cette lettre et 30 trios d'or. Tu partiras sur le champ pour les remettre à mon épouse. Partir ? Avant demain, je ne serai pas comme de coutume à vos côtés ? Non. Pour nous, il ne s'agit pas de combattre, mais de mourir. Seuls les conjurés seront là. L'écuyer se posterna. Mais Oishi, secouant la tête, dit encore. Songe que je puis disparaître sans laisser à mon épouse la preuve que son divorce infamant n'était qu'une ruse. Toi seul auras l'énergie et le courage de résister à ceux qui voudraient t'enlever ce document et prévenir Kira. Ton départ est nécessaire pour notre victoire. Molly, ne pouvant insister, se prosterna, reçut la lettre et le paquet d'or, se releva et sortit. Oishi alors alla pousser un panneau au fond de la pièce. Un large espace était libre jusqu'au mur. Et dans cet espace, plusieurs pièces étaient entassées. Le samouraï vérifia leur fermeture, remplaça quelques cachets abîmés, puis il s'assit de nouveau devant sa table basse et écrivit.
peut-être même saurez-vous déjà notre victoire. Avant de quitter les régions du soleil, il convient que je vous remette les derniers biens de notre clan. Je les avais gardés, étant le seul chef d'Enya, afin de préparer notre vengeance. Ils sont inutiles maintenant, notre but est proche. Dans la caisse marquée « Livre », vous trouverez le compte exact de nos dépenses et ce qui reste du trésor de notre clan, c'est-à-dire 9000 rions d'or. Trois autres caisses contiennent des objets précieux que j'ai enlevés avant d'incendier la forteresse des miens. Je garde le poignard avec lequel notre Seigneur s'est tranché les entrailles. Il ouvrira dans le corps de Kira la grande voie par où l'âme s'échappe. Parfois malaisé de discerner clairement notre voix parmi plusieurs devoirs contradictoires. Devais-je avertir mon épouse que, bientôt, mon ombre seule reviendrait auprès d'elle ? La vue et le souvenir de sa douleur n'affaibliraient-ils pas mon élan ? Et pourquoi lui infliger ce tourment à l'avance ? Puisque je ne pouvais lui éviter ce coup, mieux valait du moins le retard des rencontres. Poussez la porte de bambou de votre maison. Au gémissement des lions, une voix douce me salua, ajoutant : Daignez ne pas faire de bruit, honorable époux. Votre fils dort. Dans l'obscurité, une main caressante me guidait vers la porte et me faisait entrer. Sous le cercle de lumière, un plateau était posé sur les fraîches neiges. En un instant, mon épouse courut vers la cuisine. Et revenant avec précaution, lui disposer les bols chargés de nourriture pour notre souper. J'affectais de rire et de plaisanter, mais l'on ne saurait tromper un cœur aimant. Sagaïa m'observait en silence. Elle dit enfin : Honorable époux, quel est donc le grave souci qui vous oppresse ? Et comme je me taisais, elle poursuivit : La mère de votre fils ne doit rien ignorer. Fille et épouse de samouraï, je n'ai peur ni des autres, ni de moi-même. De quoi s'agit-il ? Son regard avait la fermeté calme de la vraie brave. Et elle s'efforçait d'essuyer les larmes qui coulaient sur ses joues. Je dis simplement à voix très basse : Ce soir, les conjurés attaquent le palais. Elle pâlit, mais sans faiblir, semblant réfléchir, et elle dit enfin : Donnez de nouveau toute votre énergie. Assurez que vous seriez à l'ordre de rien laisser derrière. Mon père m'a dès l'enfance appris qu'il est aisé de se donner la mort. Mais votre fils doit vivre, afin que votre famille, désormais illustre, puisse conserver la tradition de votre gloire et maintenir toujours étincelant le flambeau de votre souvenir. Nul autre que moi ne saurait lui enseigner les devoirs que nous impose le Bushido. Nous vivons en l'incessante présence de votre bravoure, et votre fils sera digne de vous. Le breuvage fortifiant de ces nobles paroles dissipa d'un coup ma pesante angoisse. Elle vit mon regard chargé d'amour et d'estime. Le rose revint un peu à ses joues. J'allais parler de nouveau, et le grincement de notre portail m'interrompit. Des pas glissèrent sur la neige dehors. Un doigt frappa discrètement au panneau, et une voix sourde dit : Voisin, on vous attend pour le festin. On commencera sans vous si vous ne venez pas. D'un bond, je fus debout, un regard encore dans les yeux de celle que je ne reverrai plus. Puis la porte se ferma. Sur la pièce tranquille, sous la blanche lumière voilée de ma lanterne,
Chim ayant désigné pour faire partie de sa troupe. Ce fut vers le restaurant des Trois Bonheurs que me guida Kanzari. Aveuglé par la tourmente de neige, le cœur déchiré d'avoir abandonné mon épouse et mon enfant, je gardais le silence pendant notre marche. Comme nous apercevions déjà les lumières du restaurant, Kanzari me pressa par le bras et me dit à l'oreille. Il est convenu pour expliquer nos armes que nous allons servir un seigneur de l'Ouest. La tempête retarde notre marche, mais nous nous mettrons en route avant minuit. Même si elle n'est pas apaisée, un samouraï ne recule pas devant les éléments. Dans une grande pièce à l'étage, nos 10 compagnons étaient assis sur les nattes jaunes. Des plateaux chargés de bols de nourriture étaient placés devant nous. Le festin durait depuis quelque temps déjà. Personne ne sembla remarquer mon retard. En pareil cas, il n'est pas de parole qui ne soit une offense. Nous nous assîmes en silence, pendant que les coureurs de salle plaçaient devant nous des plateaux de bols fumants et nous versaient une coupe de saké bien chaud, et nous vidâmes d'un fond. Nous avions déposé nos armes à portée de la main et dénoué les cordons de nos casques, quand Hara Mototochi poussa vers moi une table à écrire et me dit « À votre tour, Terasakasan, nous faisons un concours de haïku. Écrivez-nous un uta. » De mon cœur surchargé de douleur, avide de vengeance, monta aussitôt un poème que je chantais tout en écrivant. Sous la neige glacée, le pain vigoureux s'incline pour un temps. La neige fondra. Quand ? Au soleil de demain. Des applaudissements éclatèrent, doux pour la réalité. Nous avons trouvé notre maître, mais ce chef-d'œuvre m'a inspiré. Donnez-moi vite le pinceau. D'un seul mouvement de la main, il lia les traits rapides et lut d'une voix chantante. Dans la sombre nuit, tous les oiseaux se taisent. Ce triste silence finira quand, au chant de gloire du rossignol. Non loin de moi se trouvait assis Horibe Kanaval. Il était originaire du Nord et les vastes ne sont pas les. Aussi ne fus-je pas étonné de voir Horibe se pencher vers son voisin et de l'entendre demander d'une voix mécontente. Que trouvez-vous d'admirable dans ces poèmes ? Je ne songe qu'à notre voyage et n'y comprends rien. Son voisin ne sourit pas. L'ignorance qui désire une explication est respectable. Il est aussi lâche d'abuser de sa science que d'abuser de sa force. Il répondit donc. Les pins vigoureux penchés sous la neige glacée, c'est notre plan, poigné sous son infortune. Mais le soleil qui demain fera la neige, c'est notre victoire. Je vois, l'image est admirable, en effet. Et nous sommes sans doute les oiseaux dans la sombre nuit. Je verrais plutôt là une image du peuple qui, dans la nuit de la justice, attend que s'élève le chant des vengeurs. Les mots et les phrases sont trop subtils. Je comprends seulement les poèmes qu'on trace de son sabre dans la chair de son ennemi. Puissiez-vous en écrire bientôt tout un volume. Nous joignîmes au rive d'Oblidé. Le vent nous couvre vers le vieillard. Puis nous buvons en silence. Hara, le premier, posa son verre. Puis, sur un signe de notre chef, nous nous étions tous levés et nous resserrions nos armures, faisant jouer nos sabres dans leurs fourreaux et nouant soigneusement nos casques. Si prêts d'attaquer, nous n'avions plus besoin des grands manteaux sous lesquels nous avions dissimulé nos armes pour venir. Nous les laissâmes donc. Quelques minutes après, la porte s'était refermée sur notre petit groupe. Nous étions seuls sur la noirceur du ciel, sur la blancheur de la neige. Silencieux et l'obscurité profonde, nous suivions notre chef. La neige glissait en s'écrasant sous nos pas. Parfois, une arme clignotait contre une cuirasse. Aucun autre bruit ne troublait le repos nocturne. Nous marchions, l'un derrière l'autre, distinguant à peine dans l'ombre plus noire que nous suivions de près. Bientôt, nous nous arrêtâmes au pied du mur qui bordait l'arrière de la demeure des pirates. Hara, parlant à notre oreille, nous fait remarquer une grosse branche de pain qui dépassait le fait de la muraille. Il attacha solidement un conflit au membre de sa courte lance et la lança comme un javelot par-dessus la branche, au ras du mur. Au fil, il
et noué une forte corde à celui qui tira. Comme j'étais le plus jeune et le plus léger, je fus choisi pour grimper sur le mur afin d'attacher la corde à la branche et d'en laisser descendre une seconde le long de l'arbre afin de me permettre de descendre aisément par le sol. Le grand pas à l'intérieur du centre de bâtiment me permet en étant si sombre, si bien arrêté que descendant, je proposais de nous y passer dès maintenant afin d'être prêt pour attaquer sans retard. Voilà sur la description à qui est ça. Aussitôt l'escalade commença, en silence et avec calme. En peu de temps, nous étions à l'intérieur du mur, au pied du pas, serrés les uns contre les autres. Nous faisions à peine respirer par crainte de donner l'alarme. Et nous fûmes bientôt rassurés. Dans le palais, pas un bruit, pas une lumière sur la ligne sombre des toitures chargées de neige. Ara nous rappela qu'il était mortellement interdit de frapper les femmes, et que tous les descendants pâles de nos ennemis devaient être massacrés sans pitié. Le silence enveloppa de nouveau notre petit groupe. Glacé peu à peu par le froid de la nuit, l'attente se prolongea, interminable, inquiétante. Que se passait-il donc? L'heure du renard était écoulée sans le doute. Les deux groupes de nos congelés attendaient-ils quelques signal de notre part? Oishi n'avait-il plus forcé notre principal? Et Ratsama Mitsuoki, qui devait rester la dérivure dans notre coin, avait-il renoncé à son entreprise? Ou avait-il réussi comme nous? L'incertitude, autant que le froid, nous faisait trembler. Brusquement, le calme de sépulture qui pesait sur la ville fut rompu. Des roulements de trois coups de tambour grondèrent, éclatant. Nous en comptâmes. Il n'y avait plus aucun doute. C'était bien le signal. Des clameurs sauvages éclatèrent de tous côtés. Et, à l'arrière de la demeure, les deux autres troupes attaquaient. Notre heure était venue. Déchaînés, brisés soudain par la joie de combattre, nous ne faisons qu'un pont jusqu'aux portes du pavillon. Ils sont dans le moment de mettre le casque sans le plus bras. Les deux portes sont emboussées dans toutes les épaules. Quelques gardes dormaient à la lueur basse du milieu sud-est, mais ils sont abattus avant d'avoir le temps de se tirer vers ça. Ils sont trois hommes dans chaque corps pour en défendre l'accès. Nous traversons en courant une salle vide. Des clameurs et des pas précipités viennent à notre rencontre. Ce sont sans doute des ennemis, mais Hanna crie montagne, d'ivoire et monde. Venez! Ce sont les clameurs de Ratsama qui parlent de tous les compagnons. Les issues sont closes désormais. Notre proie est dans le piège. Elle ne peut nous échapper. Les pas sont repoussés les uns vers les autres. Tout est vide. Le palais est désert. Mais les lumières s'allument de tous côtés. Les clameurs des appels, les cris retentissent, la résistance commence. Nous arrivons enfin devant des panneaux éclairés. Sans nous soucier des portes, nous ouvrons un grand coup de sabre, une large voie dans les flèches de poisson. Notre groupe nous engouffons sous tout dans un vaste sabre éclairé par plusieurs lanternes, où une dizaine de gardes couvrent un hâte de sabreux. L'un de ceux d'esprit sur moi, sabre levé, mais que veux-tu faire? Une pile métal de sable se glisse sur la sienne des marques de mon arme, fabriqué pour nous par l'un des plus illustres sabreux de l'Empire. Avant que les ennemis aient pu s'organiser, notre attaque est victorieuse. Les lanternes sont versées à coups de pied. Bientôt, dans la salle, il ne reste plus que les blessés gémissant dans l'obscurité profonde. Nous avons emporté la dernière lanterne et poursuivons notre avance victorieuse. Dans une pièce, des femmes à demi vêtues se prosternent, implorant notre pitié. L'un de nous aperçoit un garçon d'une douzaine d'années et lui demande qui il est. L'enfant fièrement répond : Je suis le fils de Kira ! Les derniers mots sont encore dans sa bouche que déjà sa tête roule sur le sol, au cri déchirant des femmes. Encore des couloirs et des pièces vides. Kenzari qui nous guide s'écrit en vain : Voici la chambre de Kira ! Elle est déserte. Dans un coin, une veilleuse éclaire la blancheur pure des nattes fines et les vives couleurs de couverture ouatées en désordre. Notre ennemi a fui. Kenzari se précipite et tâte les soies gonflées de laine. Elles sont encore chaudes, s'écrit-il. Le large peut être loin. Cependant, des appels retentissent. Des gardes se sont enfin organisés. Ils attaquent violemment la troupe d'Oishi qui avait brisé le portail avec une hache et avait été retardé par les hommes armés veillant sous le portique. Hara et Hanzama envoient tous nos hommes au secours de notre chef et le garde pour fouiller le palais. Pièce par pièce, nous visitons toutes les cachettes possibles. Garde-robe, amas de couverture, coin et recoin. À l'extérieur, des clameurs continuent. Les nôtres seront-ils en état de résister jusqu'à ce que nous ayons le temps de tuer notre ennemi? Soudain, une grande lumière éclaire les treillis des fenêtres. Des crépitements, des grondements éclatent. Par le papier des panneaux arrachés rapidement, je vois des flammes s'échapper d'un bâtiment situé près du portique d'entrée. Une lanterne renversée a sans doute commencé l'incendie. Une idée me vient, je crie à Abla. Mettons le feu! Le vieux renard sera flambé dans sa tanière! Non, nous ne saurions pas s'il est mort. Il faut qu'il périsse devant nos yeux. La recherche continue donc. Nous revenons à la chambre de Kira. La veilleuse brûle toujours solitaire. Devant un panneau enfin à la lueur de la lanterne, j'aperçois une sandale de paille finement tressée. Je cherche l'autre des yeux sans la trouver. Alors j'ébranle le panneau qui résiste. Ara me regarde et secoue la tête. C'est inutile, nous connaissons toutes les sorties secrètes. Pourquoi une sandale seulement? Il l'a sûrement laissé tomber dans sa fuite. Et je me jette, défoulant en avant contre le panneau. La boîte s'y craque, et ça va. J'ai juste le temps de me retenir au bord brisé, mais je pousse un cri de triomphe.
Devant nous s'ouvre un long passage étroit et noir. Arras avance le premier, je le suis, tenant haut la lanterne. Le passage s'élargit. Nous nous trouvons enfin dans une grande pièce voûtée aux murailles de pierre. Des caisses et des ballots poussiéreux sont entassés. C'est évidemment le trésor secret de l'avare. Brusquement, deux samouraïs, dissimulés près de l'entrée, s'élancent sur nous et tentent d'en assurer la lanterne. Plus de doute, Kira est ici et ses fidèles cherchent à le faire échapper. Hazama et Ara, heureusement, ont vu les deux braves. Ils ne voient que les arrêtes, oubliant de tout garder le pouvoir derrière eux. Je reconnais l'un de nos assaillants. C'est Chokomori, le conseiller du ministre, un samouraï de peu de mouvement, qui a été venu pour son avis. Ara les entraîne. Pour moi, je n'ai cessé de fouiller des yeux les coins sombres entre les caisses. Un mouvement tout au fond de la pièce attire mes regards. Je me précipite. La lueur de ma lanterne éclaire un homme en robe de soie blanche qui se fait tout petit derrière un amas de ballons. Je le saisis. Il résiste. À mon appel, Ara vient à mon aide et nous tirons l'homme de sa cachette. En vain, l'inconnu essaye-t-il de se couvrir le visage dans ses bras repliés. La lumière de la lanterne éclaire brutalement des traits contractés d'épouvante. Nous crions en même temps triomphalement. C'est lui qui l'a ! Il a bien au front ! La cicatrice dont a marqué notre daimyo. Non ! Ce n'est pas vrai ! Je ne suis pas Kira. Mais cela ne fait rien. Je puis vous donner à chacun mille rilos d'or si vous me laissez aller. Sans répondre, Ara, d'un coup de genou dans les reins, me relève et me force à marcher devant nous jusqu'à la grande chambre qui donne sur la cour d'honneur. Là, il se lève un des panneaux de la fenêtre, et portant un filtre assez lèvre, il siffle longuement à trois reprises. Dans la cour, le bruit du combat est apaisé. Seul monte jusqu'à nous des plaintes de blessés ou des gémissements aigus de femmes. Le brasier du bâtiment incendié achève de se consumer en jetant de temps en temps de hautes flammes. Les nôtres sont évidemment vainqueurs. Je m'étonne que les troupes de garde du Shogun ne soient pas venues au secours du ministre. Nous sûrs plus tard que le prince de Yesso, l'un des plus puissants du royaume et dont le palais s'élevait tout à côté, avait dès le début du combat envoyé un messager au château du Shogun pour faire savoir que l'héroïne Denya envahissait le yashiki de Kira. Au nom de tous les daimyo qui approuvaient ce désir de venger l'injustice, il demandait que la sentence du ciel ne fût entravée de rien. Kira, relotant de peur et de froid, s'était assis, enroulé dans une couverture ouatée. Nous, debout le sabre en main, nous étions prêts à le frapper s'il faisait le moindre mouvement pour s'enfuir. Dans le silence et dans la pénombre de la grande salle, nous attendions sans un mot. Les éclats vacillants de notre lanterne faisaient danser les ombres sur les cloisons délicatement ornées. De graves et sombres pensées étaient en nos âmes. Notre ennemi était sur le point de mourir, mais nous, les vengeurs, nous ne tarderions pas à le suivre. La majesté de la loi, vous pouvez nous laisser vivre. Ce soir, ma jeune épouse serait veuve, et mon enfant orphelin. Mon cœur saignait, l'amertume me crispait la bouche. Les cliquetis d'armes retentirent enfin avec des ballons. Des lumières rougirent la transparence des panneaux tressés. Oishi parut l'armure en lambeaux, couverte de sang. Il était suivi de plusieurs des nôtres. Il vit Kira et s'avançant vers lui, s'agenouilla et le salua cérémonieusement. Le ministre, les yeux fixes, le regardait grelottant toujours. Notre chef se releva enfin et dit : Ô Seigneur, par votre conduite insolente et injustifiée, vous avez provoqué la colère de notre daimyo. Il a levé son arme sur vous. Mais loin de vous défendre, ainsi que doit le faire un samouraï, vous avez fui. Et pour échapper à une nouvelle attaque, vous avez lâchement acheté la protection de la loi. Vous avez fait mourir injustement notre seigneur. Et vous saviez bien que votre crime méritait la mort, car vous avez pris les plus grandes précautions pour échapper au châtiment. Afin de déjouer vos mesures, nous avons dû renoncer à tous nos sentiments, encourir le mépris universel et feindre un oubli abject. Nous vous avons trompé. Vous avez jugé que l'impunité vous était acquise au jour où votre fin approchait. Vous voudrez, sans nul doute, mourir de la mort des nobles par le sépulcre. Il convient que ce poignard qui porte encore le sang de mon maître
soit lavé dans le vôtre. Je vous prie d'accomplir sans retard la cérémonie. Suprême. Mais Kira, tremblant, se reculait au lieu de saisir l'arme qui lui était offerte. Oishi, toujours agenouillé, attendit un moment, tenant le poignard à deux mains, puis se releva. Puisque vous refusez de mourir comme il sied à votre rang, vous périrez de la mort réservée aux bestiaux. Votre nom sera sali de honte à jamais. Tenant alors le poignard de la main droite, il se pencha vers Kira et après une courte lutte, il le saisit par les cheveux. Puis d'un mouvement de poignet, il lui renversa la tête en arrière, tendant la gorge. En trois coups de l'arme acérée, le cou était tranché. Le tronc vacilla et tomba lourdement, lançant de grands jets de sang. Oishi, retenant du pied une couverture de soie, en déchira un morceau et en enveloppa la dépouille, d'où coulaient encore des gouttes noirâtres. Alors il renversa d'un coup la veilleuse dont l'huile se répandant sur les nattes, s'enflamma presque aussitôt. Maintenant, mettez le feu partout. Seules les flammes pourraient nettoyer cette corruption. Les ordres des appels retentirent aussitôt, de tous côtés des flammes crépitèrent. Dans la cour, Oishi fit compter tous les nôtres afin de ne pas abandonner le corps d'un blessé ou d'un mort. Les 47 étaient là, debout, tous blessés plus ou moins gravement, mais sauvés par leurs armures exceptionnelles. Des tourbillons de fumée rouge et des langues de feu commençaient à jaillir de tous les bâtiments. Les charpentes s'effondraient déjà. Le pâle jour d'hiver se levait quand, un à un, appuyés sur des bâtons ou sur des lances, les héros franchirent lentement le portique de maison de Kira, laissant derrière eux la mort, l'incendie et la désolation. Juste rétribution du crime et de la lâcheté. Une foule immense s'agitait sur la place et autour du palais. Les cris, les appels, puis les flammes et la fumée avaient réveillé les familles du voisinage. De proche en proche, l'on avait appris que les Vonis, les lâches des biens, avaient envahi la résidence de leur ennemi et tué tout ce qui s'y trouvait. La ville entière était accourue, avide de connaître l'issue du combat. Quand nous parûmes groupés près de la porte, des clameurs d'approbation éclatèrent, roulant comme un tonnerre et effrayant au loin les corneilles, qui s'élevèrent noires sur le ciel blanc, battant lourdement des ailes et croissant confusément. Mais qu'importait pour notre chef les clameurs des curieux ou des corneilles? Il ne s'occupait que de son devoir. Sur un signe de lui, une litière portée par quatre hommes vigoureux s'approcha de nous. Oishi l'avait commandé avant de se rendre au banquier de l'œil. Ils prièrent à Ramazotochi de s'y étendre, et d'aller en toute hâte annoncer notre victoire à la veuve d'Asami. Hada devait, de plus, l'inviter à assister à la cérémonie que nous allions tous accomplir sur la tombe de notre Daimyo, dans l'enclos du Sengakuji, à l'heure des serpents. À ce moment, un héros, vêtu de longues robes somptueuses aux armes du prince de Yesso, s'avança vers Oishi et le salua profondément. Le grand Daimyo, mon maître, prie tous les nobles guerriers de lui accorder l'honneur d'entrer un moment dans son palais. Il a préparé quelques rafraîchissements, et debout sur son seuil avec quelques seigneurs, il attend les nobles guerriers. Sans paraître étonné du très grand honneur qui nous était fait publiquement par le plus puissant daimyo de l'Empire, Oishi s'inclina vers vous. Veuillez dire au très noble seigneur que notre cœur est ému de sa pensée. Nous nous rendrons à son palais avec toute la diligence que nous permettent nos blessures. Priez-le de plus de bien vouloir excuser le désordre de notre tenue. Le héros s'inclina de nouveau et partit en toute hâte. Quant à nous, c'est à peine si nous pouvions avancer. La foule s'était approchée, les hommes nous félicitant, les femmes se lamentant sur nos blessures saignantes sur lesquelles nous avions roulé des lambeaux de robe. L'on se bousculait pour arriver au premier. Une fois arrivés chez le prince de Yesso, épuisés, nous avions grand besoin de la nourriture et du saké chaud que l'on nous servait. Mais les marques de respect que nous recevions des seigneurs présents étaient pour notre âme un aliment plus subtilement réconfortant. Nous buvions la gloire à plein bord. Cependant, les chirurgiens mandés par le prince pensaient d'occuper les plus grands. L'on aurait voulu nous enlever nos armures à demi brisées, mais Oishi ne le permit pas et demanda bientôt l'autorisation de quitter le palais.
le prince de Dessau, sachant nos desseins, avait déjà fait venir des charrettes dans lesquelles nous pûmes nous étendre, enveloppées de couvertures, pour nous rendre au Sengakuji, où se trouvait la tombe de notre Seigneur Asano. Ô précieux Seigneur, voici la dernière fois que vivant, il nous sera donné de nous prosterner devant vous. Bientôt, nos ombres vous auront rejoints sous les neuf sources. L'injustice de votre mort est vengée, et le pays tout entier se réjouit d'être délivré d'un large oppresseur. La descendance mâle de notre ennemi ayant péri cette nuit, et le corps même de Kira ayant brûlé dans l'incendie, il importe que son âme soit fixée en un lieu. J'ai choisi d'enterrer la tête de votre oppresseur à vos pieds, afin qu'éternellement son âme demeure au service de la vôtre. Nous relevions et moi je songeais à courir auprès de ma femme et de mon enfant. Quand en me retournant, j'aperçus un héros de la cour accompagné de plusieurs gardes. Je le vis s'avancer vers notre chef et s'incliner profondément devant lui. Étonné, curieux, nous regardions en silence. Le héros prononça enfin à haute voix pour être entendu de tous. « Honorable Seigneur, votre maître le Shogun, ayant été informé de votre action et de celle de vos compagnons, a déjà convoqué le grand conseil pour délibérer à votre sujet. En attendant la décision qui sera prise, votre maître a voulu vous garder à la disposition de vos juges. Plusieurs membres du conseil se sont lors disputé l'honneur de vous avoir pour hôte. Les princes de Yeso, de Higo et de Chosen vous attendent dans leur palais. » Oishi s'agenouilla et salua comme les rites l'exigent envers un représentant du Seigneur des Seigneurs. Puis il se tourna vers nous et dit : « Pour l'attaque, nous étions divisés en trois groupes. Il convient que la même division soit observée pour obéir à l'ordre souverain. Les litières attendent à l'entrée du parc. Nous partirons dès qu'il vous plaira. » Oishi, se relevant avec peine, se rendit alors auprès de notre princesse qui l'attendait debout au milieu des dames d'honneur. Il voulut se prosterner, mais elle le retint. « C'est à moi de me prosterner devant le plus brave des braves. » Notre mère nous comble de louanges exagérées. Nous n'avons fait que notre devoir. Cependant, consentez seulement si vous avez quelques messages pour l'ombre de votre Seigneur à bien vouloir nous les confier. Nous pourrons sans nul doute le transmettre une autre. Je n'ai vécu que dans l'attente de notre vengeance. Nous partirons ensemble sur la voie des ombres, si vous voulez bien me faire l'honneur de m'escorter jusqu'auprès de mon époux. Quand Oishi nous rejoignit, le groupe était déjà formé et s'avançait vers l'entrée du parc. Bien des jours plus tard, Oishi, sur la demande du prince de Higo, écrivit sur un grand panneau un poème qui fut aussitôt gravé sur pierre et qui exprimait bien nos sentiments. Le vrai bonheur est toujours d'accomplir son destin. Alors, notre volonté brille, perçant l'épaisseur de nos corps, ainsi que la lune, se dégageant de lourds nuages. Cependant, les fêtes de la nouvelle année se passèrent. Le soleil du cinquième jour de la première lune brilla dans le ciel. Moi seul, je devais en voir le couchant. Dès le matin, en effet, un héros de nos gardiens nous remit les kamishimo d'une blancheur neigeuse que doivent revêtir les condamnés à la mort des nobles. Il nous fit connaître que les Ometsuko, les censeurs porteurs de la sentence, avaient annoncé leur arrivée. Nous étions alignés déjà dans la salle d'honneur quand les magistrats, en robe de cérémonie, entrèrent, accompagnés de nombreux gardes de la cour. Prosternés selon les rites et appuyés sur les mains, nous écoutâmes la lecture de l'édit. Oishi Kura Nosuke et 46 autres samouraïs, Ronin, de l'ancien clan d'Elia, ayant au mépris de nos lois et de notre majesté comploté et mis à exécution l'attaque et l'incendie du palais de notre ministre,
ayant massacré de plus ce ministre lui-même, ses enfants mâles et d'innombrables gardes, doivent être sans pitié mis à mort comme un soulier et meurtrier, afin d'effrayer les guerriers qui seraient tentés de suivre leur exemple. Cependant, en considération de l'honorable motif de leur action, ils sont autorisés à périr du trépas des nobles. Le clan d'Enya sera reconstitué au profit du jeune frère d'Asano Nagamori, le dernier daimyo. De plus, accédant à la demande qui nous a été adressée par leur chef, ils seront inhumés avec honneur dans le parc du monastère de Sengakuji, autour du tombeau de leur daimyo. Le plus jeune d'entre eux, Terasaka Kichiyama, devra demeurer en vie afin que lui et sa descendance accomplissent régulièrement les offrandes rituelles aux esprits de ses loyaux compagnons. Seul l'homme de 47 bras est assez honorable pour rendre dignes des nobles esprits les offrandes qui leur marqueront notre respect. Tel est le décret. Déjà, l'un des Omesoko me faisait signe de m'écarter. J'hésitais à séparer mon sort de celui de mes compagnons. Le magistrat prononça sévèrement. L'ordre vient du Shogun et du Grand Conseil, sur la demande même de votre chef, et vous songez à désobéir. Votre devoir est de vivre le plus longtemps possible et de garder vivant le souvenir de l'honneur de ces héros, afin que leur exemple entretienne dans la nation entière le feu brûlant de l'honneur, de la justice, de la loyauté, du dévouement par lequel notre race se distingue d'entre tous. Pendant ce temps, les gardes de la cour avaient déposé devant mes compagnons des poignards marqués au nom du Shogun lui-même. Ils se plaçaient, le sabre dégainé derrière les condamnés. J'appris que la sentence était exécutée déjà pour les deux autres groupes de nos conjurés. Quelques jours plus tard, j'étais le seul survivant des 47 poignées. Ils sont morts, mais leur mémoire ne périra jamais. Car tous les cœurs, même les plus vils, ont admiration et respect pour les nobles sentiments qui, seuls, élèvent l'homme au-dessus de la mer. Yoshikane Okajima
Yasuemon Tsuneki. Okano Kinuemon Kanaehide. Okuda Magodayo Shigemori. Okuda Sadauemon Yukitaka. Onodera Shiorai Hidekazu. Onodera Kouemon Hidetomi. Otaka Gengo Tadao. Sugaya Anodio Masatoshi. Sugino Jubeiji Sugifusa. Takebayashi Tadashichi Takashike. Shiba Sarbukui Mitsutabe. Shikamatsu Kanroku Yoshishige. Terasaka Kichiemon Noboyuki. Tomomiro Sukeemon Masayoi. Ushiyoda Matanojo Nakanori. Yada Goruemon Suketake. Yato Uemon Chichi Norikane. Yokogawa Kanpei Munetoshi. Yoshida Sawaemon Kanesada. Yoshida Shijuaemon Kanesuke.